Ya baba seke mataka ya taka baba bashindra basata magobo kosokori ya rabasandra bashinda kabaka. La Bible nous parle de Moïse qui a vidié. Lisez la Bible, vous allez comprendre comment ça s'est passé. Que personne ne vous séduise. Lisez Exode 33, où on peut le lire vite, à partir du verset 18, Exode 33. Exode 33, à partir du verset 18 au verset 23. La Bible nous dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux des rochers et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse, Dieu a permis à Moïse de le voir par derrière, car personne ne peut voir sa face. Donc, et dans Genèse 32, chapitre 32, à partir du verset 24 au verset 30, là on voit aussi Jacob qui a lutté avec Dieu. Et c'est tout. Donc, l'apôtre Paul, pour sa conversion, je ne réponds encore, la Bible dit que les hommes qui accompagnaient l'apôtre Paul ont entendu la voix. Ils attendaient, ils étaient stupéfaits. Ces gens-là étaient stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Lui-même, Paul, a vu juste la lumière et a écouté la voix. Les gens qui étaient avec lui, ils n'ont même pas vu la lumière. Ils ont juste entendu la voix qui parlait à Paul. Et ceux qui viennent vous dire qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu Lucifer, ils ont vu ceci, ils ont vu cela. C'est bien bon. Mais, est-ce vrai? Vous devez bien étudier la parole pour comprendre si ce que ces gens-là vous disent est vrai. Beaucoup d'entre nous, comme je dis tellement, dans leur pensée, dans leur mémoire, il y a l'image de la terre du cinéma qui est entrée dans leur mémoire. Et c'est cette image-là que l'ennemi utilise pour vous parler. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de haine entre vous. Et vous disent aux gens que je vais dire, Dieu m'a parlé, mais il n'y a pas l'amour. Dieu est amour. Si réellement, mon frère, ma sœur, s'est avidié, tu dois devenir un avec lui. Et si tu es devenu un avec lui, c'est l'amour que tu dois transmettre. Rien d'autre que l'amour. C'est pour ça que quand nous voyons de tous les miracles que Jésus-Christ, dont la Bible nous parle, des miracles que Jésus-Christ a accompli. Vous allez voir, c'était que par la compassion, l'amour. Il avait pitié des gens. Et il guérissait les gens par la compassion, par l'amour. Et si tu es devenu un avec lui, si tu es devenu un avec son esprit, tu dois manifester l'amour comme il a manifesté son amour. Car il est amour. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il a déposé en nous, il a mis dans nos cœurs son amour
par l'Esprit, par son Esprit qui habite en nous. Il a mis son amour en nous, dans nos cœurs, par son Esprit qui habite en nous. Nous pouvons lire encore vite, dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, verset 18, la Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Je réponds, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Vous pouvez bien méditer sur ces versets-là. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. 1 Jean 4, verset 12, nous dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Je reprends encore. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons chercher à s'approcher plus de Dieu. La Bible dit que nous devons nous approcher de lui. Et quand nous approcherons de lui, lui aussi s'approchera de nous. Jacques chapitre 4, verset 8. Nous devons nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Plus on s'approche de lui, plus on devient comme lui. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Un chrétien, c'est un représentant de Jésus-Christ. Nous sommes là pour communiquer son amour. Nous sommes là pour manifester son amour à travers le monde. Nous sommes là pour communiquer sa parole. Nous sommes là pour pousser les gens vers le Père et non vers nous. Car moi, ou toi, ou l'autre, un jour nous allons mourir. Nous devons plus pousser les gens vers le Père, à chercher la face de Dieu, à s'approcher de Dieu, à chercher à connaître sa parole. Que les gens doivent connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons voir Dieu, bien sûr, mais Dieu prend des formes humaines. Comme avec Jacob, quand il a lutté avec Dieu. Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions le voir et communiquer avec lui. C'est là que notre Dieu avait pris cette forme-là. Il s'est fait chair, afin que nous puissions communiquer avec lui. Afin que les hommes puissent être avec lui. Et la Bible dit qu'il nous a laissé son esprit. Et nous sommes devenus les temples de son esprit. Son esprit habite en nous. Et son esprit veut continuer à habiter en toi. Afin qu'à travers toi, il peut continuer à manifester son amour. Vous pouvez lire aussi d'autres versets. Romains chapitre 1 verset 20. Romains chapitre 1 verset 20, Job chapitre 42 verset 5, Job 42 verset 5, Jean chapitre 6 verset 46, Jean chapitre 6 verset 46, Jean chapitre 4 verset 24, Jean chapitre 4 verset 24, 1 Timothée chapitre 1 verset 17, 1 Timothée chapitre 1 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Vous pouvez lire
Ézéchiel, chapitre 1, verset 26. Donc, Ézéchiel, chapitre 1, verset 26. Et Apocalypse, chapitre 4, verset 2 et 3. Apocalypse, chapitre 4, verset 2 et 3. Apocalypse, chapitre 4, verset 2 et 3. Que Dieu...